Bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo sur la nouvelle map de Escape from Tarkov, car aujourd'hui 12-12 et la version est sortie, qui a été annoncée aujourd'hui aussi à 12h12 à l'heure de Moscou, et donc on a pu la télécharger, et donc là c'est la première game que j'ai fait après la mise à jour, et ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc principe de la vidéo découverte, parce que c'est une vidéo qui n'a pas de cut, ça veut dire que je vais faire un seul rush, on va visiter ensemble en direct la map sur Lighthouse. Donc, c'est parti. On est sur du 92 FPS avec le logiciel, c'est pas mal, on débute. Sur une autoroute. Ah, ça y est, ok, 13 FPS. Ça. Donc, les chalets sont là-haut, on va les visiter. Et on va voir si ça se fout sur la gueule ou pas. Parce qu'apparemment, selon Nikita, c'est la plus belle map qu'il ait fait tous les temps. Donc, pourquoi pas. En termes de dimension, je crois qu'il avait parlé comme une shoreline, un peu plus grand que shoreline, ou équivalent. J'en ai une des grands, elle est devenue. Ouais. Du coup, ça wipe. Et ouais, bah, bien sûr. Gros. Ouais. Yes. Si vous entendez les chiens derrière, c'est normal de temps en temps. Il a des coups de nerfs. Donc, ce bâtiment là, on peut rentrer. Mais, pas très vegan tout ça. Et de survie dans un laboratoire. Voilà, avec une petite savonnette. La fameuse maison qu'on voyait partout. Il n'y a pas grand monde. Je sais qu'il n'y a pas grand monde, c'est qu'il y a une mise à jour. Avec les grenades, le stuff. C'est là que ça sent, que ça va sentir les grosses conversations avec le VOIP. Alors, please get up your weapon and put your finger in the air. Avec des gros accents qu'on va avoir dans le jeu, ça va être très drôle. Calme. Alors, on s'est pas vu, voilà. C'est du village. Donc, là, il y a les cottages à côté. Oh, on va voir. Je connais pas. Une sorte de petite map là, qui a été dessinée par un amateur à la va-vite sur Paint. Il n'y a aucune orientation.
Voilà, là-haut, voilà. Après, à mon avis, on arrive à Boat House. Improvise, et ça je pense. Ah, tu peux. Okay. Avec les armes. Descends. On va s'annoncer. Voilà. Et maintenant, il prend la grenade dans les mains. Puis, chance. On sent que le personnage est plus lourd, hein. Il y a moins de maniabilité qu'avant en fait. C'est fait exprès, c'était visé pour avoir une inertie plus irréaliste en fait. Dans... Ah. La vraie vie, tu peux pas jouer comme Call of ou Fortnite, c'est impossible. Pas avec la technologie actuelle. Ok, donc il va y avoir pas mal de trucs de soins. Comment ça va? Non, je sais pas. On a accédé à l'X peut-être. Bien fou. Du coup, on va se remettre, descendre vers là-bas. Tout à l'heure, je me suis pris une balle, d'ailleurs, hein. Ça a sifflé. Toujours rien de spécial. Calme. Là-bas. Enfin le premier combat. J'ai vu deux déjà. Alors, est-ce que c'est des scavs un peu New Age? Poutine sniper. Covid, super. Pas du tout. J'avoue que c'est très beau.
faute. Bon, pareil, hein, toujours faire vraiment 10 balles pour un chien. C'est la vraie guerre, ça, ça rigole pas. À droite, hein, voilà. Stage toujours aussi lent. Bon bah j'essaie de prendre l'assaut. Там пиздец! Вот петух! Нормально. Гнида! Давай, мочи их! Это все лакселя, по-моему, когда? Хуйло, вот хуйло! Конец тебе! Шалава! Non, c'est un truc de dingue. Mais, blague. Lava. Bonus. Ouais, les Scaros. Bon, en tout cas, c'est pas mal comme zone de combat. Je pense même que ça va camper dur, hein, forcément. Ça va camper, ça peut camper très très dur. Au design. Là-bas, on continue la route, il y a une extraction. Ça s'appelle. Tunnel. Peut-être tunnel, je pense. Pas sûr. Peut-être des bêtises. Hein. On va reprendre du côté, on va continuer la route. Hein. Je sais que j'ai plus de balles en fait. Là.
Oh putain. C'est l'arme peut-être. Hein. Tiens, nouvelle arme, le MTS-255. Allez, on va tester ça. Le chien qui a moi. Alors, nouvelle arme, MTS-255-12, 5 balles dans le chargeur. Testé. Oh, c'est du corps à corps et tout ça. Ah, c'est pas mal, putain. Pas mal. Allez, on va longer la plage. Notre moment de calme, notre moment de tempête. Comment mourir les deux. Allez, il est bon, ça brûle en tout. Oh, j'ai fait. Pavé, qu'est-ce qui se cache ici? Ouais, je trouve un peu ce côté plage qu'on a chez Pine, hein. Avec un peu plus de verdure, moins de plage, enfin moins de sable. On va coller, hein, vu qu'elles sont. Ah, les zones de pêche. On va avoir le droit à l'hostilité ou pas. Un petit bateau qui est garé là. Okay, c'est un petit paradis quoi. Ok. Faut penser un peu à Dead Island, c'est la map là. C'est joli quoi. Là, ça va être une extraction, je suppose. Ça c'est le point commun qu'il y a avec U-World. Ah, tu es. Noté. Alors, après on va arriver au niveau de bridge. La map est grande, hein. Pour l'instant, la map est grande. Alors, on retourne un peu sur le train. Côté arrière. Hein. Les trucs, hein. Il y a le traitement de le traitement d'eau qui est l'autre côté. Ça fait combien de temps à faire, ouais. Minutes. Le PVP nous a bien ralenti. Il y a les tours, hein. On va voir les traitements d'eau. On repatriera sur la gauche comme ça, on fera le tour. On arrive en vie là-bas. On a fait, on va dire 80% de la map.
Voilà. Jusqu'à boss. Un autre bâtiment, pas mal, ça se fait, tout ça. On est soufflé, vraiment. Bon, au moins c'est radical. T'as des fusils à pompe. Prenez avec le pire ou le meilleur des calibres, crois-moi. Fallait tirer, hein, vite. Hein. Preuve d'FPS, hein, mec. Ces bâtiments comme ça. Facile 30-40 FPS. Dommage parce que pour la fluidité des combats. Perdant. Le commandant pour KTX 3090. C'est différent. Ok, c'est sympa. Oui. Oui, on continue. Hein. À double action ou une action. Ah, ah, elle m'a fait peur. Ah. Bon, c'était ma première vidéo sur la Outhouse. Il y en aura plein d'autres qui vont suivre. Allumé, mes bots ont eu raison de moi. Donc n'hésitez pas à vous abonner et bien sûr je suis de retour sur Pov pour je ne sais pas combien de temps. Abonnez-vous, pour partager. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bonsoir.